matchs à mort par équipe. Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Mexen. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu perspicative. Si certains me suivent sur Twitter, et ben j'ai... je suis devenu leader de l'Iron, c'est-à-dire que je suis le leader. Je suis passé de colis d'éditeur à leader pour un peu faire bouger les choses à Iron, trouver des nouveaux projets, des nouvelles vidéos à faire pour l'Iron. Je suis passé leader, je suis extrêmement content quand on m'a dit « Ouais, est-ce que ça t'intéresserait de devenir leader ?» Et franchement, j'étais putain d'heureux. Oh putain, mais... Je me suis retenu parce que au moment où on m'a annoncé ça, j'étais sur TS avec la POA, du coup je me suis un peu retenu de gueuler parce que voilà, leader d'une team comme l'Iron, c'est quand même un truc de ouf. Et on profitait pour booster un peu la team, trouver des vidéos à faire parce qu'on va pas eu plus que des montages, vraiment faire plein de trucs, trouver de nouvelles séries à faire. Et moi aussi, ça va me permettre du côté FR de pouvoir dénicher des potentiels players, éditeurs ou designers. Ça aussi, c'est un bon côté parce que quand il y a des leaders que américains, bah du coup niveau décalage horaire, voilà, c'est un peu chiant. Et vu que moi je suis FR, bah du coup je serais plus accessible pour les gens qui sont FR dans la team. Et ça, c'est un très très bon point. Bah aussi, je gère le Twitter d'Iron, c'est-à-dire que pour les heures françaises, je peux éventuellement tweeter des trucs. Je peux rendre un peu plus le Twitter d'Iron actif. Mais il n'y a pas que ça, je suis pas seulement leader d'Iron, je suis aussi community manager et vidéo maker pour les Pizza Guys, je pense que vous connaissez. C'est la chaîne qui a été créée par Amixem et Vodka chez Broman TV. Et donc voilà, je gère aussi leur Twitter et je fais les miniatures et les vidéos. Voilà, c'est ce que je fais actuellement sur YouTube. Je gère l'Iron en tant que leader et je travaille aussi pour les Pizza Guys, je suis community manager et vidéo maker et aussi media maker, je crois que ça se dit comme ça. Les gens qui me demandent en DM, oui, tu peux venir DM 2 secondes et tout, mais ça m'est beaucoup arrivé depuis que je suis leader, les gens ils pensent que ils pensent pouvoir rentrer facilement dans l'Iron. Faut savoir que les cocos, j'ai mis grave du temps à rejoindre Iron, j'ai vraiment bougé mon cul pour réussir à rentrer, à arriver là où j'en suis. J'ai montré que j'étais quelqu'un de sérieux et professionnel. Et je trouve que je suis quelqu'un de sérieux parce que j'ai envie de faire de ce que je fais sur YouTube. J'ai envie d'en faire mon travail tout simplement. Donc c'est pour ça qu'aussi le fait que je sois professionnel et sérieux, ça se ressent au niveau des edits et de ce que je peux produire pour l'Iron ou des membres de l'Iron ou même d'autres personnes autour de moi ou autour des gens avec qui je travaille. Merci à ceux qui me soutiennent, merci à ceux qui me suivent régulièrement, qui voient un peu mon avancement sur YouTube, qui me félicitent aussi de comment je peux évoluer sur YouTube, ça fait vraiment plaisir. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, et voilà, je vous dis à bientôt, au revoir, c'était Mexen, allez salut.